Une jeune mère vient de récupérer son bébé après que les responsables de la clinique privée où elle a accouché ont retenu l'enfant à cause de factures médicales impayées. Les responsables de la clinique située à Libreville, la capitale du Gabon, ont finalement remis Angèle à ses parents, après l'avoir détenue pendant 5 mois. Le directeur de la clinique avait retenu le bébé dans le but d'obtenir de ses parents le paiement d'une facture de 2 millions de francs communauté financière africaine, environ dollars. Selon le correspondant de BBC Afrique au Gabon, Charles-Stéphane Mavungu, le directeur de la clinique a été interpellé lundi, puis libéré 24 heures plus tard. Une campagne de collecte de fonds a été lancée pour aider la famille du nouveau-né, un élan de solidarité impliquant le président gabonais Ali Bongo Ondimba, rapporte Mavungu. La mère de l'enfant, Sonia Okom, a dit qu'elle était heureuse de pouvoir vivre chez elle avec sa fillette, tout en déplorant que le bébé n'ait pu prendre les vaccins nécessaires depuis sa naissance. La joie était immense en famille, au retour de l'enfant, auquel les grands-parents sont venus souhaiter la bienvenue, 5 mois après sa naissance.